Bonjour et bienvenue à tous dans le nouveau rendez-vous d'actualité. La fameuse animatrice Sophie Devon aurait été interdite au mariage de la fille du célèbre journaliste William Lemergy. Ces nouvelles viennent de nos confrères de magazine Closer. L'hebdomadaire People s'intéresse beaucoup à la vie amoureuse du pilier de PAF Sophie Devon. Dans son édition de cette semaine, il a consacré un article à ce sujet. En effet, William Lemergy a fait part d'une mauvaise nouvelle à notre journaliste. Il venait de lui apprendre qu'il n'était pas la bienvenue au mariage de sa fille cadette, Anna. Elle est architecte d'intérieur de 31 ans. Le mariage se tiendra ce samedi 23 juillet dans les environs de Cap-Ferré en Gironde, a indiqué le magazine. Apparemment, la future mariée n'a pas digéré le fait que son père refasse sa vie avec l'animatrice d'affaires conclue. Et pour ses noces, son père, elle le veut pour elle toute seule, évoque la publication. Une grande désillusion pour Sophie Devon, qui a si longtemps tenu la place du cher ami de William, avant de devenir celle de toute la famille, puis une indispensable confidente. Pour rappel, l'épouse de William est décédée il y a 2 ans, après une longue maladie. C'est pour cette raison que sa fille ne réagit pas bien à la relation de son père et Sophie Devon. De cela a suscité un gros désaccord entre les tourtereaux. Le magazine Closer a également rapporté quelques frictions de l'animatrice avec son amoureux, alors qu'il séjournait au bord de la mer, en Normandie. Le couple a eu une franche discussion pour des raisons familiales, et Sophie s'est soudain retrouvée bien seule, a affirmé la publication. L'hebdomadaire a aussi dévoilé des photos de Sophie Devon en vacances, dans le sud-ouest de la France. Sur les images, elle se balade toujours sur une plage, soit avec son chien, soit en solo. En effet, toujours d'après Closer, William Lemergy aurait abandonné la présentatrice d'affaires conclue après un conflit familial. Ainsi, il paraît que ce n'est vraiment pas la joie actuellement pour Sophie Devon. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oublie pas de réagir sur la section de commentaires, d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.